الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلي وسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس One frère, one sœur, sa ayat de Coran qui nous fait citer pour le surah Baqarah, verset 143. Allah Ta'ala peut faire appel à un concept bien important là. Ummatan wa satan, c'est-à-dire la communauté musulmane, ban qui te fait adhérer au message de l'islam, ban qui te fait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner le titre de. Il y a des interprétations, il y a un qui tire. Mais d'une certaine manière, une communauté juste, c'est-à-dire qui adhère à la justice, à l'obligation, à l'exigence de la justice, quand elle peut prendre une décision, quand elle peut administrer. Et une deuxième interprétation qui également tient la route, c'est-à-dire la communauté du juste milieu. Et Inch'Allah, Ta'ala, lorsqu'il y a une vingtaine de minutes qui vous suivent là, nous pouvons essayer de faire une réflexion bien utile à nous-mêmes, pour toutes les deux interprétations. Je suis le premier pour nous comprendre un petit peu si nous avons ayat 10, ayat qui précède sa ayat, là, c'est-à-dire sur la Baqarah, ayat 142, si nous avons Allah Ta'ala peut ordonner, change direction qui est là. Change direction qui nous fait namaz. Au lieu que tu peux faire face à Jérusalem, maintenant faire face, comme on nous connaît de nos jours jusqu'à ce jour, jusqu'à ça, les populaires jusqu'à ce jour, c'est nous faire face vers Kaaba. Allah Ta'ala peut changer sa direction. Et ça, il apporte, comment dire, littéralement, ce qui nous prend, c'est un changement physique, direction peut s'enlever, peut sortir, par ici, par ici, une façon de parler. Puis il y a un putain de symbole dans lui-même. C'est que le pouvoir, à l'époque, peut changer direction. Il n'est plus de la main vers Jérusalem, mais il fait tourner vers Makkah. C'est-à-dire qu'il tourne vers la communauté qui adhère au message de l'islam, qui peut suivre, qui peut tourner vers Ban, qui fait des sites qui pour faire kalima la ilaha illallah Muhammad Rasul, qui accepte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Donc, pouvoir, Allah peut mettre des yeux de l'armée. Et à ce moment-là, un moment critique, nous sommes capables de dire, si nous mettons d'une façon, juste l'histoire littérale, nous disons pas un changement physique. Mais en réalité, que pouvoir peut venir des yeux de l'armée, peut sans être, peut venir de l'armée qui peut amener le message de l'islam, qui peut adhérer au message de l'islam. Allah passe un message bien important, essentiel. Jusqu'à ce jour, il n'a plus à dire. C'est qu'il est comme la communauté juste, qui adhère à l'obligation de la justice que je vais administrer. Donc, je peux gagner un pouvoir, en même temps que je peux gagner un pouvoir, Allah peut faire ce rappel qui, pouvoir, oui, administrer, oui, mais dans la justice, peine à sortir de là. La justice à tout prix. D'ailleurs, si nous guettons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les souveraines actions de tous les jours, également de plusieurs ayats du Coran qui finissent être révélés, qu'il y soit par un certain contexte, qu'il y soit à la talent révélé de par une nature générale. Mais tout ça, ayats, beaucoup d'ayats du Coran et également pour faire ce comportement, à aucun moment, pas laisser aucune trace d'injustice, pas laisser aucun but qui, comment dire, capable de venir une injustice qui allait se passer. Non. Et il est également important dans la vie de nos jours, n'importe qui s'en va, qu'il y soit collectivement un État musulman, qu'il y soit individuellement, nous-mêmes, chacun parmi nous qui là, quand nous pouvons prendre une décision, quand nous pouvons prendre une action, ou quand nous pouvons même prononcer une parole, mais d'abord une décision, une action, la justice nous imprime. Et là, nous trouvons plusieurs places de comportement, sa prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, si bien donne raison à un non-musulman vis-à-vis un musulman, fait sans aucune hésitation. Parce que la justice devant Allah Ta'ala, il a une très très grande valeur. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, j'ai une parole. Allah Ta'ala vous laisse un État non musulman prospérer, continuer et vous soutenir lui tant qu'il y a la justice. Mais vous laisse un État musulman périr si il y a la justice. C'est à ce point-là qu'il y a une différence avant
on est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce bon sahaba qui continue de descendre et également ben savant qui nous suit. C'est sa valeur là, c'est ce que nous donne l'idée, que l'idée est mis en et qui met ça équivalent à destruction ou bien sur des noms à un état. Peu importe qu'il y ait un état musulman ou non musulman, s'il est dans la justice, Allah ta'ala pour laisser continuer, même s'il y a un état non musulman, à l'opposé, un état musulman pour faire face à la destruction, l'annihilation, si il n'est pas être géré comme une valeur de la justice. Et ça, de nos jours, encore une fois, nous disons que c'est bien important. Mais en même temps, il exprime ce qu'il appelle l'universalité de l'islam, le message de l'islam. De nos jours, n'importe qui s'en a pour dire, un état capable de continuer, un dirigeant capable de continuer, pas dans un certain moment, quand il dirigeait dans l'injustice. D'ailleurs, l'histoire, il nous prouve, dans le passé. Combien l'État finit d'être détruit, combien l'État de au peuple lève contre Dieu après qu'il finit à poser le pouvoir, si c'est parce qu'il finit dans un déni de justice grave, majeur, qui peut continuer. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve. Et de nos jours, donc, l'islam, ce message est universel. L'islam, Allah Ta'ala finit de nous un mode de vie qui couvre partout, qui est parfait, qui n'a aucune faille, aucun défaut, n'importe quelle façon. Et là-dedans, la justice est un pilier fondamental, un pilier qui n'est pas capable de sortir de là. Deuxième interprétation qui finit donne à sa ayat, là, comme je disais, au matin, au satan, c'est qui communauté du juste milieu. Et là, je vais prendre l'exemple, un scénario. Son, je disais, un commerçant, il veut travailler, il faut que je travaille, il veut me voir, alhamdoulilah, il est satisfait, il est content, il est merci à Allah. On dit ça continuellement, c'est plus il met ses efforts, normalement, plus il met ses efforts, il met pour ce résultat de ses efforts, ses efforts pour ce fruit. Alors il continue, en même temps, il continue, jusqu'à finalement, il dit, hey, la place que je peux ouvrir, c'est le procès, vous voulez c'est le procès. De façon, ouvrir 8 heures par jour, mais pas de salon de vêtements, pas de salon de vêtements et puis, non, allez, comme ça, forcément. Finalement, il commence à réaliser qu'il peut gagner profit, oui, mais en même temps, qu'il peut faire profit, il a un coût qui peut manger son profit, qui peut manger son revenu. Alors, il décide de continuer ce coup. Alors, malgré que ce travail a grandi, il décide pour commencer à ne pas comprendre du coup. Il aime vous faire lire ou bien il continue de briller, il va dire continuer comme ça. Effectivement, à la fin de la journée, il trouve lui, il peut réussir, il trouve son profit, il peut grossir. Et ça, c'est ce qu'il nous signe d'observer. Finalement, nous trouvons quoi? Et là, nous trouvons là, tous les années, il y a que son famille peut faire un voyage, alhamdulillah. Continuer comme ça, même 5 ans, avant 5 ans, même il y a une facilité du diffri, il y a une carence, le deux, l'azance, direct, il y a une carence, direct, le deux, l'azance, mais là, il peut continuer. Ça, c'est ce qui nous trouve l'aspect extérieur. Mais l'aspect intérieur, là, il y a une direction, il continue à piller, forcer, direction, là, ce qui vous connaît, et risquer à approcher avec ce qu'on appelle l'exagération. À l'opposé de l'exagération, nous avons le laxisme. Un côté c'est l'extrémisme, forcer de mettre, sinon le côté c'est le laxisme. Le laxisme c'est qu'il ne faut pas faire aucun effort. Pas faire aucun effort, casser une pause, soit vous fiez le destin, vous dire à l'avoir voyé, destin c'est qu'il m'a ok pour moi. Mais de l'autre côté, il y a ce qui nous appelle cette fois-là, tellement il est content dans cette direction, il met tous ces efforts-là dans l'église, ce qui nous appelle tous les restes, l'aspect de cela. Entre ça et là, Allah t'a prescrit à nous, de nous prescription. C'est un qui dit, nous, où maintenant, on la communauté du juste milieu, c'est l'équilibre, la balance. Ça, c'est l'opposé de l'exagération, l'opposé de l'axisme, l'opposé de l'extrémisme dans une certaine direction. C'est Allah Ta'ala, le Sahaya Qur'an-là, disait nous, c'est la communauté du juste milieu. Et ce concept-là, aujourd'hui, à 2020, est extra pertinent. Comme vous dites, c'est l'exemple qui nous donne là, les gars, on va appliquer également à un travailleur, on va appliquer également à un étudiant. Là, bientôt l'examen PESAC pour venir. Vous trouvez combien parents, et comment dire, parce que la norme, ça, combien parents, comment dire, les enfants ont oublié tout. Et c'est ça, quand d'arriver que les parents ont oublié, ça l'aspect qui peut stresser les enfants là ici. Mais mettre tout, afin que les enfants aient un résultat, comment on appelle ça, 4 unités, ou n'importe qui, l'autre résultat, mais il faut dire les résultats viennent excellents, les résultats viennent 5 étoiles. Afin qu'il y ait une meilleure des collèges, afin qu'il y ait ce que nous appelons meilleure des éducations. Ce qui, le terme commun, on va dire meilleure éducation, meilleure collège. Zis, le plan, un seul plan, seulement sur le plan académique. C'est ça.
ça qui arrive, nous tombons d'être sans l'extrémisme. De l'autre côté, moi, je dis que c'est le laxisme. Au milieu de l'Allah, rappelez-nous. Rappelez-nous, la communauté du juste milieu. Donc, n'importe quel principe, c'est ça. N'importe quelle décision nous allons prendre, n'importe quelle action nous allons entreprendre, c'est qu'ils nous jugent entre les deux. Et là, nous trouvons un juste milieu, comment nous pouvons procéder. Et le côté, comment dire, tombe un seul côté, soit côté droite complètement, ou côté gauche complètement, ça, c'est pas islamique. Nous nous trouvons, comme si c'était Allah Ta'ala qui rappelle nous, guette la situation de la globalité. Guette la situation de la globalité. Nous pouvons prendre une décision pour le business, par exemple, ou pour le côté du travail, n'importe quoi de ça, par rapport à notre travail, par rapport à notre propre éducation, ou l'éducation de nos enfants, guette tout l'aspect qui concerne. Pas que existe l'aspect académique, pas que existe l'aspect financier, pas que existe l'aspect matériel, non. Il y a une leadership globalité. D'ailleurs, il y a un concept qui peut émerger de nos jours. Il y a un management gurus qui peut venir, c'est-à-dire, entre autres, Robin Sharma et différents d'autres encore, à ce stade de dire la situation de la globalité. Quand nous considérons une situation, nous ne pouvons pas que les efforts qui nous mettent, qui nous mettent gagner. Parce que quand c'est un bénéfice d'analyse, direct, c'est ce qu'il nous prouve. Mais il y a l'aspect politique également, il y a l'aspect stress. Qu'est l'aspect émotionnel, qu'est l'aspect familial, et non pas juste à l'aspect matériel, c'est qu'ils essayent, comment dire, ceux qui ont au commencement. Vous pouvez commencer un business, vous pouvez commencer un travail, qui prennent une bonne considération. Avec raison, vous pouvez l'aspect financier, vous pouvez tout salaire, vous pouvez tout profit, oui. Mais connaissez qui peut gagner ça, il y a une série d'aspects encore, qui, quand nous avons envie d'adopter ce principe du juste milieu là, et ça va être un principe là, demande à ce qu'ils nous considèrent eux. Puis si applicable dans ce contexte, plus 1420 années de cela, et il demande qu'aujourd'hui, en 2020, devant l'année 2000 qui nous peut continuer, quand nous faisons cette analyse là, nous considérons une série d'autres facteurs également. À quoi le gars au niveau de l'histoire, on fait le nom. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad. Mon frère, mon frère, donc, nous finirons par ce qu'il appelle le juste milieu. Deuxième interprétation qui finit de nous, verset 143 de Surah Baqarah. Libon également, frère nous connaît, qui nous rappelle nous-mêmes, aussi à nous connaît, mais Libon nous rappelle nous-mêmes, qui, quand nous causons le juste milieu, Coran et Hadith, comportement sa prophète-là, lui-même, rempli avec l'exemple. Ainsi, si nous guettons sur la 5, verset 88, Allah Ta'ala fait nous connaître. Il fait nous connaître qui il dit, connaît qui Allah est bien dur. Il est bien dur en punition. Il est vrai ça. Il dit que nous guettons différents attributs, Allah Ta'ala sur différents noms. Connaît qui Allah Ta'ala est bien dur en punition. Mais tout de suite, dans sa même ayah, suivi avec un terme, Ghafur al-Rahim. En même temps qu'il est bien dur en punition, Allah Ta'ala fait nous connaître, il porte une. Les poupines, nous, pour nous pécher, oui, mais les connes, enfin, nous connaissons qu'il y a une bordelière. Non, c'est ce bordelière, une miséricorde, une miséricorde extraordinaire qui pèse sur nous. D'ailleurs, 99% pitié à l'ingot côté. C'est 5% qui vient de la terre. 99% pitié à l'ingot côté, c'est ce qu'on les considère, c'est ce qu'on les guettine. Donc, ça concerne la balance, l'équilibre. Allah Ta'ala lui-même les possède, et il fait une connerie de sa ayat. Dans l'autre ayat, surah 25, verset 76. La divine est un petit peu plus terre à terre, pas juste le Allah Ta'ala. Allah Ta'ala fait nous connaître ça. Il y a un croyant. Un croyant qui se ni je t'extravagant et ni je crévais également. Mais simplement, je adhère au principe de juste milieu que je peux dépenser. Donc, il me fait reconnaître pas au dépenser. Ni où tombe dans l'extravagance, ni en même temps, il y a un cap, un crévère. On va dire au CRM, qui était comme capable, car tigné, c'est au ventre, c'est pour tout, mais God vous casse, là où la pompe, God vous casse, là où vous pousse. Là, il y a un croyant, je trouve le juste milieu entre sa vie là, quand je dépensais. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le rôle modèle, ni même si nous guettons de façon, il est élargi. Un exemple pour le NZO. Un groupe sur le Sahaba, je passe les si l'on sens un analyse, tu fais les connaître, qui ne sont pas pour dormir, ils ne sont pas sur la nuit, ils ne je ne suis pas pour moi, et je pourrais se garder pour ça tout le long de ma vie. Donc, à ce niveau-là, je suis arrivé. Ils ont disposé de faire ça avec des sacrifices. Là. Et ou même, disons, au camarade, que j'ai envie de faire d'accord, et au bout de la vie, et non, et il va faire comme ça. C'est une réaction normale.
Et jusqu'à Dan qui s'en prophète là ici, il réagit comme ça, puis ça risque de savoir que je vais dire ça. Et qui est spécial là, je vais dire rentre dans le mal là. Non. Et je vais prendre un engagement pour faire un sacrifice pour là, 10 points là, et qui va le Sahara, un musulman, comment dire, un musulman 5 étoiles, ça. Incomparable avec ce qui nous était de nos jours. Vous voyez que ça prophète là, sa réaction, qui était sa dedans. Écoute sa réaction et vous pouvez imaginer à quel point il les a pour ça. Qui souhaite gagner sa manne là? Karim, ce, qui souhaite gagner? Quand vous réagissez comme ça, quand dans quelle situation vous avez réagi comme ça, vous avez dit, vous avez vos camarades, vous avez n'importe quoi. Ça démontre le niveau qui vous est désapprouvé, action ou parole sentiment. Vous faites dire, moi, mon God Rosen, l'époque, mon pas God Rosen. Moi, mon frère Tarajut, mon frère la prière, dans la nuit, un Stanley, mon dormi. Moi, mon marié, une madame. Alors, qui se gagne? Qui arrive? Je décide pour ne pas marier, pour God Rosen, plus longue de la vie, pour passer plus de la nuit de l'Ibadat, de Tarajut. Qui se gagne alors? C'est encore une fois, même dans l'islam. Même dans nos religions, envers qui nous supposons bien dévoués, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son créateur, et nous créateurs également, prescrire de nous ce qu'il appelle nous observer une balance. Quand nous avons également la vie de la terre, et également nous prenons compte à rendre à Dieu, oui. Mais également nous avons la vie de la terre, qui ne nous a pas oublié, nous pas oublié. Un dernier exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi Dieu, un jour sur un sahaba, montrer lui dans ma masjid de Nabawi en Madina, ben on montre bien sa haba. Ben j'ai dit qu'est-ce que tu as dit? Il reste dans ma masjid. La nuit il sourit dans ma masjid, même il reste à ibadat, même dans ma masjid, même bref, 24 sur la vie 24 c'est égal ibadat. Il montre, il a une colonne puis il y a pas un moment, il y a tasli en sa colonne là. C'est pour qui comment dire quand il fait ibadat, s'il ne fait pas tomber. Alors il continue tini, il continue faire sur ibadat. Mais ça n'est de mission à trouver. Comment ils vivent? 24 séries, là, ils n'ont pas de travail. Mais alors, comment ils vivent? Comment ils gagnent une provision? Il y a du monde. Comment ils vivent? Même si ils ont de l'eau, mais ce série, ils ont fait un peu de sorte. Mais nous, on est un frère. Il y a un frère qui est là où il est. Alors, frère, là, il est disposé à faire ça, à faire ça pour lui, à porter sur une provision. Quand une réaction s'en prouve, ça n'est là. Il dit, ça, c'est un monde qui est pieux, c'est un petit monde qui paraît ce gars, comme on nous dit, d'un jour. Là, c'est un petit monde qui reste dans ma vie 24-7. C'est pas lui. Ça dit mon cupier qui paraît ce gars-là, c'est sa frère qui permet une provision pour ça. Donc, voilà encore une fois, l'islam, nos religions, c'est la balance. C'est pas qui nous retient nous complètement. Peut-être nous avons fait un moment donné, par exemple, dans le Ramadan, dans un moment il était grave. Nous retient nous de l'unia, nous inspirons un moment fortement spirituel, ça avec Allah. Nous retient nous un moment donné dans la nuit, nous retient nous un moment donné pendant la journée, etc. Mais après ça, vive-nous la vie bien pour Allah et son prophète fait prescrire. C'est ça l'islam. C'est ça, de sa façon-là, qui nous peut atteindre au juste milieu. Qui nous peut atteindre à l'équilibre qu'Allah Ta'ala et que son prophète peut demander nous observer là. Et de nos jours, si nous voulons la vie qui peut aller de nos jours, nous trouvons différents, nous gardons différentes tendances, différents outils qui sont capables de rapprocher nous si nous ne pas faire attention, qui rapprochent nous vers l'exagération, qui rapprochent nous vers un petit peu ça, ce qu'il m'appelle sa tendance, extrémisme. Pas nécessairement de nos actions spirituelles, mais de nos actions mondaines, de ça, le monde matériel qui nous peut vivre. Quelques jours de cela, je trouve finir les Nations Unies qui nous fait se semer le changement climatique. Parce qu'il écoute là, ce qui nous appelle les grands leaders de différentes nations qui nous soignent, ils pour prendre des décisions, ils pour analyser, pour aider. Et ce changement climatique, là, peut venir, peut nous sortir de là. Ce sont les effets pour impacter nous, bien que là, nous pouvons sentir, etc. Et pour impacter nous négativement, destructivement. Alors, comment vous faire pour renverser ça? Mais à la base, à la source, si nous réanalysons la situation, comme ça, qui n'amène à ça, c'est à un moment donné, ça démontre là, ce qu'ils appellent l'industrialisation, l'industriel, qui contrôle le capital, qui met en face le seul aspect là, simplement produire. Quitte à détruire la forêt, quitte à détruire les ressources naturelles, la nature autour de nous, oubliez-les. Produire. C'est ce qu'un moment donné qui arrive, ce qu'on appelle balance l'environnement, balance de l'écologie. Ça a débalancé. Et quand ça a débalancé, voilà, résultat, c'est que finalement nous subissons une série de conséquences néfastes de l'environnement autour de nous, du climat autour de nous. Ça, c'est un petit peu au niveau collectif. Mais justement, quand parfois on observe ça juste milieu. De l'autre côté, c'est tellement du monde, comment dire, tellement assoiffé.
pas le pouvoir, il a soifé, pas le matériel, il a soifé vers, il fait sa l'épouse, sa rat race, ce qu'il appelait, vers le du bien, vers la richesse, qui équivaut au bonheur. L'histoire du bien est égal au bonheur, oubliant que le bonheur c'est vite par bénédiction. L'autre aspect nous va amener dans ce plus personnel, nous-mêmes, qui ici là, compris moi ici, nous-mêmes, pose-nous la question, combien de temps nous passons devant l'écran? Qu'il y soit une fois l'écran plat et smart screen, ou soyez-il l'écran que nous serions évident nous poser tous les jours? Combien de temps nous passons devant? Dans 50% des temps là, nous faisons une petite analyse nous-mêmes, qui nous passe devant l'IA, combien de temps là nous vraiment pisser? Donc, résultat, ce qui m'a demandé de réfléchir, combien de temps nous utilisent l'écran et combien de temps nous abusent de l'écran? Justement, quand nous abusons de l'écran, les lèvres qui nous tombent, nous évitons de ça juste le milieu là. Nous ne pouvons pas utiliser, nous pouvons abuser. Et là, nous tombons de ça l'autre tendance qui fait nous aller exagérer. Et là, les bons faire sortir qui ben une grande technologie gurus comme Bill Gates, comme Steve Jobs, etc. Je peux nous avouer, faire une recherche, vous trouvez dans un grand journal qui fait une interview avec eux. Je peux nous avouer que je propre la case, je n'implémente pas une stratégie, dispose une limite, exposition des autres propres enfants, des autres propres petits-enfants, des jeunes des autres la case même, à la technologie. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont mieux placées que les autres pour connaître l'effet destructif de la technologie. Et encore une fois, c'est ça. Quand ça juste milieu là, débalancé. Quand nous tombons dans le tendance là. Et voilà, c'est le résultat qui vient. Et là, on met ça, nous avons comme une contradiction, nous avons comme un paradoxe. Quand nous avons comme Bill Gates, Steve Jobs, je peux être la case, je peux être la propre menace, je peux trouver une stratégie, je peux trouver une propre mesure qui se peut venir de l'avant. Afin qu'ils pourraient être d'autres enfants vis-à-vis de la technologie, pas exposer d'autres enfants vis-à-vis de la technologie. Il y a certaines même dire qui ont choisi à l'école qui est technologie free pour les autres enfants. Tout ça pour revenir à l'importance, ce qu'ils nous observent, nous aussi, dans la vie tous les jours, nous, nos familles, avec qui nous, nos enfants, qui nous contrôlent, observent, ça juste milieu là, quand je vais être exposé. Moi, je vais pas servir, moi, je vais finir, à partir de l'autre, je rentre la case, être nos portables, prendre la mot, mettre un tuile là-dedans, de l'autre côté, mettre un autre la mot, comme ça qu'ils nous communiquent à ce téléphone, mais comment les boucles, comment les enfants, tu dis, non, 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 c'est pas ça. Mais simplement, je vais pas abuser, faire prendre précaution contre l'abus, mais plutôt utiliser au lieu d'abuser. Et bien important, nous connaissons que sa tendance pour abuser là, il dans nous-mêmes ça. Il dans nous-mêmes, il dans nous-mêmes. C'est nous qui faisons choisir. Le choix est là. Le marché, pour gagner tout. D'ailleurs, je vous dis le marché, tu vois, qui dit, oh, ben, théorie moderne, qui dit, oh, consommateur est roi, comme tu mets ce parce que c'est le jour de vie. Ces dernières décennies, combien de temps nous mettons ça, nous venir. Consommateur est roi, nous restons là. Oui, consommateur est roi, consommateur, choisir qui passe. Mais en même temps, sa consommation là, il peut être inondé avec une série de produits. Une série de produits que là, il est lié qu'il y a une différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est désiré. Ce qui se désire et ce qui est nécessité. Et là, vous avez un portable qui fait 75% de son fonds pour pas servir. Dis bien, l'autre modèle portable sorti, vous oubliez qu'il ne va pas servir pour moi là, à 75%. Quelque part, vous pensez, vous sentez moins puis c'est un autre. C'est un qui. C'est même qui peut à la source d'un gros mal. Sentiment bizarre. On ne fait pas sentiment bizarre. C'est ça, c'est juste mon désir. Guette bien, pose-moi la question. À qui point il est nécessaire? À qui point il peut apporter le plus? À qui point il peut apporter vraiment un avantage tangible dans mon avis? C'est qu'à partir d'une situation pareille, qui nous capable de prendre une décision qui est rationnelle, qui est vraiment rationnelle, et que là, nous pouvons observer une tendance de juste milieu. Un dernier aspect qui vous pourra aborder. Qui est lié avec Robin Factor avant, c'est que dès le jour où nous vivons, c'est ce qu'il m'appelle une société de consommation. Une société de consommation, côté là, nous sommes inondés avec ce qu'il m'appelle la mode. La mode, tous les jours, la mode, tous les jours, la mode. Côté là, nous, ben, consommateurs, nous prenons une position, comment dire, exactement, comment vous avez gobé, vous avez gobé pour lui. Mais seulement vous regardez, 10, ben, le marché, mais il s'arrête donc, il s'arrête pour là, il s'arrête tout. Ou pas peut retourner l'éthique. Vous dire, ok, il y a un grand temps qui nous prend une approche critique, nous adopter l'esprit critique avant nous comporter nous-mêmes sur le marché. Avant nous décider pour, par exemple, pour faire un achat, avant nous décider pour prendre un service, pose-nous la question nous-mêmes, adopter l'esprit critique, est-ce qu'il m'a vraiment besoin? D'ailleurs,
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple. Il y a ce contexte que tu peux vivre. Quand tu peux vivre, tu peux polluer complètement avec l'idolâtrie. Lui, tu prends la peine pour remettre en question tout ça, même avant qu'il gagne. Wahi, avant qu'il gagne la révélation, avant ange vient nous amener, avant qu'il gagne la révélation, il se fait retirer de la kafir, la comment nous connaît, juste pour poser la question, remettre en question tout ce qu'il peut trouver autour de lui, juste pour aller méditer, remettre en question tout ce qu'il peut trouver autour de lui, tout ça va nous tendance là, tout ça va nous rappeler la route là, il se fait poser la question, mais qui fait ça? Qui fait là, tout ça là? Qui fait société la paix en déclin comme ça? Ça, c'était l'esprit critique de ce contexte. De nos jours, il est également ultra important que nous, chaque musulman, nous adoptions une position critique face à toute tendance qui est autour de nous, afin qu'Inch'Allah, nous partions dans ce qu'il appelle l'exorcisation, nous partions dans l'extrémisme, ni également dans le laxisme, mais qu'il nous observe, nous essaye d'observer, Inch'Allah, nous la vie tous les jours, c'est l'aspect de juste milieu. Inch'Allah, bonne fête. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تجعل مع القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأقيم الصلاة.